Alliance, très bien. Alors. Construction de notre tour terminée à Adobe. Ok, donc on a plus beaucoup d'argent, donc on va devoir récupérer des villes. Ça, comme on dit, on le laisse. Lotern, c'est la bagarre. C'est la bagarre aussi, très bien. On va tranquillement aller là. Prendre la ville. À nouveau la raser pour récupérer un peu d'argent. Parce qu'on n'aura pas tous les côtés, qu'on n'a pas Lotern et compagnie. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a moins 4, mais c'est le temps de l'événement. On peut booster Paralyzer pour un peu plus d'argent. Donc là, qu'est-ce qu'il donne? Là, qu'est-ce qu'il donne? C'est que les orques sont en train de faire Bolos à Lotern. Ils sont en train de faire Bolos à l'hôtel de Loak. Et après, du coup, ils n'auront plus rien. Du coup, quant à nous, nous n'avons aucune haine avec absolument personne. On va juste, du coup, profiter de la faire revenir Atoll Sarwar. Et ici, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir recommencer notre guerre. Skeji, porte écroulée, Xaquatl, très bien. On a Naim Fortress, on va peut-être regarder qu'est-ce que ça donne. Les 19e force mondiale. En face de nous. Lord, do you know who I am? These lands are ours by the right. Impossible. Nous avons Lyonnais. Bordelot, 11e, Moussillon, Flotte de Terreur, Elf Sylvain. Ah, Clan Squire, 3ème force mondiale, 4 trucs, mais ils sont encore un peu loin. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont eux. Bastion, 34ème, d'accord, 7 vies. Il va falloir commencer à leur expliquer tranquillement à nouveau la vie. Donc, c'est peut-être le temps de pouvoir revenir récupérer nos terres qu'on a perdues. Par contre, sachant que pour une de nos quêtes, l'arc lunaire. Faut piller la cité là-haut de Dragora. Donc je sais pas ce qu'il y a aussi au nord par contre. Et je vais également regarder mes objectifs de Nagaron, Arnaget, Baston, désolé. On a Nagarit, Mont de Fer, Pic des Titans, d'accord. Route des Crânes, Marée du Destin. Donc peut-être qu'on peut tout simplement aller tout au nord. Make way. Alors foncer par là-haut. Et en disant que l'autre côté ça défend et on pourra confédérer ou laisser vivre un peu leur vie pour le moment. Faire des deals, ce genre de choses. Très bien. Tout se passe bien. J'aime quand même le sans accro. Voilà, je brisais, sont presque morts. On a de l'influence, donc on pourra voir avec qui ça se passe mal. Peut-être essayer de booster un petit peu ça. Voilà, on peut réinvoquer à nouveau. Bien, donc on a des petits soucis d'argent. Mine de rien. Soit ça dramatique. Là, à chaque fois, c'est l'événement qui nous met dedans. Là aussi. Et là aussi. Mais rien de problématique de ouf. L'apport du griffon, ça augmentera plus tard. On va augmenter nos points de compétence pour le monsieur. Augmenter le sang de la terre pour le heal. On peut fin de tourifier. J'aime pas fin de tourifier là parce qu'en fait, on développe plus rien. On a plus de sous. On recréera plus tard, je sais que ça nous affaiblit, mais en fait si on n'a plus de sous pour créer des bâtiments, on s'en sort pas en fait. On s'en sort juste absolument pas et on doit simplement avoir du blé pour booster nos bâtiments, avoir plus de sous et pouvoir faire notre deuxième armée parce que pour l'instant, ben,
tourne un petit peu en rond. Guerre déclarée, Bastogne, Crasse, Flot de la Terreur, Sentinelle et tout. Alors, technologie, ça y est, arme lourde, plus 5 de puissance, ça c'est intéressant. Pour les épéistes, Lion Blanc, Garde Phoenix et Prince Dragon, on a également l'avancée culturelle pour plus de portée, plus de chances d'action et compagnie. Ouais, c'est intéressant ça. Pour l'avancée culturelle. Burden of the Shadowlands. Traversing. Mais c'est pas dans les Shadowlands. Je sais pas quelle faction c'est. En tout cas, on va aller plus vite. On peut pas aller plus vite à ce tour-ci, ok. Et on doit déplacer, voilà, hôtel, c'est récupéré, machin, ça recrée des petites villes, c'est exactement ce qu'on voulait. On est complètement dans la situation qu'on désirait. Mage des cieux, convergence harmonique, c'est parti. Defender of the Ever Queen. On essaie d'un petit peu stabiliser ça, j'ai pas envie qu'il me déclare la guerre, ce serait un peu bête, surtout pour lui, mais j'ai pas. Autant eux. Ouais, c'est la pénalité de confédération, mais c'est bientôt terminé. Tous les autres ça va, mais eux j'ai pas envie qu'ils me déclarent la guerre. J'ai pas envie de tuer des amis. Des amis de 1000 ans. Des amis de 10 000 ans. Je ne veux pas. Homme bête, bastion désolé, intéressant. Donc une avancée naturelle. Très bien. Donc on a de nouvelles recherches. Donc voilà, si on veut avoir l'épée de Kane, on peut. On le veut pas tout de suite parce que ça donne beaucoup de pénalités. Donc moins 10 de construction pour le bâtiment. Plus 10 pour les chars. Ici on a plus de déplacement campagne. Oh, c'est énorme tous les bonus que ça file. L'avancée culturelle c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. On va commencer par l'Empire maritime. On verra tout le monde en 3 tours, ça nous mettra bien. Est-ce que ça, on a encore les bonus? Ah ça y en a plus les bonus, les malus. Du coup 15 d'ordre public. On a plus 7, on va regarder, plus 7 ça fait un peu d'argent. On a plus 7 là aussi. Et ici on a plus 7, on a plus 7 partout. Ce qu'on voulait. Colis fiché c'est un peu d'argent mais c'est pas grand chose. Après ça augmente, le revenu du divertissement. Ça c'est divertissement, c'est de l'industrie. Ah on n'a pas ça tout simplement, on va faire construire une place. Voilà, quelle indignité marmotte, quelle indignité. Des murs ce sera pour plus tard. Port de l'aigle, on n'est pas tout de suite dans tous les cas, port du griffon c'est la même. Tordranil, tout ça partout on est bien, là ça monte petit à petit. Croissance, 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 croissance. D'accord, tranquillement monter, hein, je ne connais pas. Set sail. Voyager. Move, Shadow Fleet. Upon the waves. You're out of your depth. Run back to your island. Ok, go back to your island, c'est noté. Sans guerre contre le grand Rictus. Attend. Catch wind. Set sail.
Il y a encore beaucoup de choses au nord. Chamet est aussi au nord, c'est intéressant. Bon, on verra ça plus tard. Et ben, point de compétence pour Ghislaine. Qui du coup va prendre ses bonus. Hop là, c'est dans l'autre sens. Pareil pour sa sœur Micheline. Encore des points de comp, même si on n'a rien fait pour notre maître du savoir qui va continuer à répandre l'ordre public. Oui, pour l'instant, il préférera de l'entraînement. En fait, en voyant toutes les zones maritimes, on devrait faire pouvoir faire pas mal d'échanges économiques, donc booster un petit peu notre monnaie. En tout cas, j'espère. En tout cas, je l'espère fortement. Bonjour Riben Corvi, bienvenue. Allez. Début d'un nouveau tour. Un peu plus d'argent ici, évidemment. Permet plus de recruter ça. Très cher hein, les bâtiments elfes, mais en même temps, c'est normal. Il faut les meilleurs cordonniers, les meilleurs tout. C'est pas de l'artisanat nanique, hein, on peut avoir un peu de la daube et tout le monde s'en fout. Il nous faut du lourd. Alors, les nains sont partis, hein. Ils reviendront plus tard, mais aujourd'hui, on laisse une vraie faction. Une vraie faction, le destin de cette chaîne Twitch. Et c'est tant mieux. Tant mieux, parce qu'on en avait marre de ces gens qui se roulaient dans la bière, qui se vomissaient dessus, qui trouvaient ça marrant, qui se tapaient sur le ventre très fort. Non, on en avait marre à un moment donné de cette dégueulasserie, de cette porcherie qui était devenue cette chaîne. Donc autant mettre un peu de hauteur, non pas que de vue d'esprit, sur ce live. Alliance militaire, et là du coup on devrait avoir notre pouvoir des mers. Au prochain tour encore. Voilà. Plus d'argent par là. Burden of the Shadowlands. Catch wind. Black-hearted Dreadlord. D'accord. Not one Druki on Naggarith. The Shattered Coast. Move, Shadow Fleet. J'explore, hein. Je connais pas du tout cette zone. Donc je suis dans l'exploration et l'expectative absolument la plus totale. Absolument pas quelle ville il y a, corps commercial dissous avec la Gasconie. Exactement, ces paysans, on peut pas leur faire confiance pour quoi que ce soit. Très bien. Ah, nous avons de la vision. Voir toutes les régions maritimes. Donc cercle de destruction. Ah d'accord, on monte là. Naggarond est là. Ah. Intéressant tout ça. J'ai pas eu toute cette vision. Naggarond est donc ici. C'est pas le bâtiment principal. Et d'accord, nous avons le clan. D'accord, Kazrak le Born, les hommes. Donc bien, je pense qu'en fait j'ai une erreur a été faite. Je pense qu'il faut aller du sud au nord et que je suis tout simplement allé dans la mauvaise direction. Et donc on va revenir là.
Ou alors attendez. En fait, je vais me retrouver vraiment isolé loin de tout. Je me retrouve isolé loin de tout là en fait, vraiment. Après en plus à faire la guerre, colonne de Oeg, ça c'est des Skaven. Après qu'est-ce que ça donne? Yes. Very well. Speak if you must. All right. Half-wit. I refuse. Du coup, on a 1, 2, 3. You called. It is agreeable to spend one's time in as you 4. 3, 4. On n'a rien là, évidemment. Valiant protector of the laws of chivalry demand. I will. Armored. These lands are ours by. Très bien, 5 ici. I am the you tread upon Bretonian land. Absolutely not. Voilà. J'essaie de faire des offres. D'amitié à tout le monde, évidemment. Maintenant qu'on connaît tout le monde, ça me paraît nécessaire. Faire des pactes de non-agression au maximum pour montrer que je ne suis que bonté et amour avec tout le monde. Yes. I will listen, but my time. Yes. The Empire. I will listen, but my time. Very well. Who calls? Greetings on behalf of the Empire. Ce tour où tu débloques les mers, ça fait penser à civilisation. Quand t'as le truc qui te permet de voir tout le monde. Pas d'accord commercial pour l'instant, ils sont pas chauds. Plus yes. Tard peut-être. I will hear what you have to say. I don't agree with that. Oh Carlito. Unflinching. Première force mondiale, Carlito, évidemment. All right. Agreed. Yes. What? Greetings. We may not be the no. Voilà. The Empire. Deliver your message. So be it. Voilà, quand même. Dinka, non, pas Dinka. Vous par contre. Ok. Alors. Donc. On va donc partir du nord au sud. Du sud au nord, pardon. En fait, il faut revenir ici. Tac, tac. Et d'accord, Ziggurat de l'Aube là. Hexacoatl. Ok. Jaeger Marshall. Très bien. J'ai compris. Puis bon, du coup, tant pis. Hein. On va booster ça des plus grosses tours. Et fin de tour. Petit tour d'échange avec les gens. D'accord, le clan Rictus me déclare la guerre, c'est noté. C'est noté, t'es cher clan Rictus, c'est noté. Il y a pire. Pourquoi du sud au nord? Parce que au sud, c'est des hommes lézards, je t'attaque au nord. Le sud là pourra m'attaquer et le nord, je devrais combattre tout le temps. Alors que si je chope du sud vers le nord, à chaque fois j'aurai plus d'ennemis en dessous. Donc je pourrais que monter et du coup ce sera plus facile. Voilà. Pardon, un peu plus d'argent. Ouais. Plus de divertissement, jardin elfique. Et on va continuer à descendre.
On va certainement augmenter notre influence avec l'Empire. Comment ça sera un petit peu en... C'est important qu'on ait des bonnes relations avec eux. Faire des deals commerciaux également. Il me faudrait 10 deals. Au moins. Faire plus d'argent. De toute façon, plus il y a de deals, plus il y a d'argent. Mieux c'est. Babot, quand est-ce que tu remonteras un prix sur eux avec la nouvelle expérience de leveling? C'est pas prévu, Embedded Gems. Je vais pas te mentir que c'est absolument pas prévu que je rejoue à WoW. Un elfe prévu, bien sûr, ça va de soi. Peu d'argent. On va voir si on peut pas refaire des deals. Ah bonjour à monsieur AlphaCast. J'ai aussi AlphaCast. Et non, je peux pas me brasser la barre parce qu'il faut que je fasse un cosplay de moment avant. Bonjour. Bonjour, attends, je te montre en grand quand même. Incroyable, hein. Est-ce que ce n'est pas fabuleux? C'est pas le meilleur cosplay au monde. Bah oui, mais. Mais non, parce que je suis un cosplay de moment 2019. Pas un cosplay de moment 2020. Eh oui. Eh oui. Ah, je t'envoie ça. Promis, je t'envoie ça après. J'ai oublié hier soir, je suis désolé, j'ai fini très tard, je t'envoie ça tout à l'heure. Donc, je voulais maintenant que j'avais le peuple du monde. Je vais faire des accords commerciaux au moins. 1, 2, 3, 4. Toi, tu veux toujours pas Illyrion? Illyrion, faut arrêter à un moment donné. T'es un peu ton difficile, je vais devoir te rouler dessus. J'ai pas envie, t'es elfe, je suis elfe, on est un peu. On est un peu amis. Bon, c'est un peu trop tôt. Ah oui, si je voulais booster mon amour avec Carlito. On va rien comprendre, hein. c'est Karl Franz, il va rien comprendre. Je l'embobiner en même temps, c'est les humains, ils sont jamais très très malins. Ils sont jamais rien compris. J'ai bien compris, voilà. Du coup, je vous remets la scène, même si c'était rien passé d'intéressant entre temps, vu que j'étais simplement en train d'aller voir. D'aller voir où ils sont d'ailleurs, le Reckland. Reckland, ils sont là, trop de monde. Ils sont là, le Reckland. Alors, j'aimerais améliorer mes relations avec vous, très cher. Merci beaucoup. Incroyable. Incroyable. Tu as vu, c'est bien, Bolt. Je trouve ça tout à fait légitime. Depuis que je joue, depuis aujourd'hui, je trouve ça complètement légitime, tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs aux elfes, et franchement, plus rien ne me choque. Clairement, plus rien ne me choque. Plus le fait de pouvoir attaquer en faisant des embuscades partout, ça me rappelle mes meilleurs moments Skaven. C'est très plaisant. C'est très plaisant. Il manque juste encore les Petkine, mais j'ai des petits problèmes d'ordre public avec les moins 4 d'ultra difficile. Ah, puis ce moment donné où t'enchaînes 3 armées elfes noirs de suite, à chaque fois où c'est marqué embuscade et des 99% de résolution automatique. C'est des grands moments de bonheur, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que ce serait pas l'heure de confédérer, tiens, un petit peu, peut-être? Kras, mes amis. Je suis sûr qu'au fond de vous. Rejoindre la guerre contre Illyrion? Non, monsieur, ça ne va pas. Non, monsieur, je refuse d'attaquer. Je refuse d'attaquer un compatriote. Jamais. Jamais. En tout cas, par contre, je suis sûr maintenant que les développeurs du jeu jouaient tous elfes. C'est évident. C'est évident. Les Kras, c'est des amis de 1000 ans. Ils vont confédérer à un moment donné. Il faut juste le temps. Il faut juste leur laisser un peu de temps. J'ai confiance. Je veux pas être trahi par des amis. J'ai combattu des Skaven, des Obed, ça négociera des paix, y'a pas de soucis. Ah, paix négociée entre Itza et Sentinelle de Xari, ok. Ouais, c'est le sud-ouest, c'est là-haut. Alors, portée de camp-placement, je sais. Plus cette technologie complètement craquée où tu fais tout d'ailleurs. Technologie où c'est n'importe quoi, là où t'as des bonus. Ah, plus 10 avec les Oelfs et les Hommes Lézards. Très bien, on aime les justiciers. Et après, avec toutes les factions, on va aller au réseau d'espionnage alors, si ce n'est que ça. Real Talk, tu penses pas que les nains méritent une nouvelle option? Si, si. En fait,
les nains, ça fait partie des factions qui n'ont pas été modifiées depuis le 1. Un peu comme les zombettes ou les elfes sylvains. Et ce qui fait qu'en fait, quand je joue nain, j'ai l'impression de jouer des scaven en moins bien. Et ça, c'est terrible ce sentiment. Leur roster est complet, mais... en fait, c'est juste que vu qu'ils n'ont pas été modifiés et que d'autres races ont été modifiées pour être plus polyvalentes, en fait, j'ai vraiment l'impression de jouer des sous-scaven. Oui, par rapport à les armées de base, c'est... il manque pas de cavalerie, il manque pas de monstres, il manque, mais je sais pas, peut-être un peu plus de... Même pas de mobilité. Mais en fait, peut-être que le problème, c'est juste que les scaven font tout mieux. Ou même... Ouais, je dirais que c'est le problème, en fait. Ah, des mechas, mais bien sûr. Mais ça, toujours des mechas, serait trop bien. Ce serait trop bien, des mechas nains. Mais ça serait incroyable. Ça s'appelle Edge of Sigmar, ça, non? Non, il n'y a pas de mage chez les nains. Non, pas besoin de mage. Enfin, excusez-moi, si on veut jouer mage, on joue Croak et c'est nuke pété à 500 kills le meurtre. Non, c'est pas de la magie des runes lords, c'est des seigneurs des runes. J'ai eu cette discussion avec le chat hier, j'ai dû ban 15 personnes qui me disaient que les nains avaient de la magie. Moi, ma référence, c'est le bouquin des nains de Warhammer JDR première édition de 97 où les nains ne font pas de magie. Mais oui, bien sûr, c'est les Runelords sinon. Sans mauvaise foi, c'est les Runelords. Par contre, on a des sous. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser nos sous? Pas là. On va bientôt pouvoir du coup commencer à faire la deuxième armée avec Alariel. Mettre ça là, encore booster les revenus là et là. Ok, donc là, Anaheim, c'était chez moi. Bon, on s'est fait un peu retourner. Au de la matriarche, il y a le temple. Plein du coup, c'est d'avoir 3. 1, 2, 3, plus l'englobe, ça peut le faire. En fait, on se comprenait pas même commencer au sud. Il y a des scaven, éclat de lune et tout machin. Non, on va y aller. S'il faut combattre des scaven, autant les combattre cimetière. Ok, je ne sais absolument pas parce que c'était rasé par des hommes bêtes. Je sais pas si les scaven ont fait quelque chose ou pas. Ce sera la surprise du prochain tour si on se prend armada de scaven dans l'arrière-train. Teclis, mon ami, que désires-tu? Un pacte non-agression, évidemment. Les trésors de la mer, ça fait pas le coup, t'as besoin d'argent. Si, mais ça, si, ça vaut le coup en fait. J'aurais pu m'arrêter avant, faire le moment d'y passer et après aller plus vite pour optimiser le trésor. C'était dans la portée de la range courte. J'aurais dû. Non mais oui, les nains, je suis d'accord qu'ils leur... Ils sont bien, moi je les aime bien comme ils sont, mais... C'est dur, quoi. C'est dur. En fait, dans la campagne, ce qui est surtout dur, c'est que t'es entre les orques qui ont été rework avec le dernier patch, avec la dernière extension, la dernière add-on, plus les scaven qui ont les équipages et tout maintenant. Donc c'est ça surtout qui est dur. Mais en fait, en duel 1 contre 1, je trouve que ça va, c'est ok. C'est juste quand tu dois faire une campagne que c'est un peu velu. Alors, on va voir, est-ce qu'on peut récupérer notre ville? On peut la coloniser, on va donc coloniser notre ville. Alors du coup, garde argentée, machin, ok, il nous reste 2000 d'argent. Pas encore. Elle, on n'y est pas encore, on n'est pas au top sur tous les bâtiments. Point de comp, pour qui? Pour notre sang de la terre, c'est fait. Ah, il a chopé son pouvoir. L'arc lunaire sera quand on montre au nord. Point de repos pour les baves, infiltration. Crêperie tire à distance, après ses revenants, commandement, machin. Ouais. T'as plus 15% de chance d'embuscade. L'arc t'attaque en embuscade, on va prendre revenant, c'est n'importe quoi. Ok, guerre. Corps de tour et j'aimerais. Oh.
Ah, il réclamait beaucoup plus fort que moi. Encore deux tours, j'aimerais bien commencer à essayer de faire des deals commerciaux. Alors, du coup, on peut aller faire bastion de la forteresse. Forteresse du bastion des oeufs juste à côté. Du coup, ça a aussi été détruit par les hommes bêtes. Guerre, guerre, ok. Alors, on a des nouvelles victimes. Très bien. Alors, on a Pretzitli, Margaret et Carmen. 10 000, 3 000. Oh la vache! 10 000 gold! Ah oui, mon coco, je vais. On va pas rigoler longtemps. On a 20 tours, alors attendez. Le rite, ici. Hop! Prends mon argent. Merci Malakia. Alors il est où? Allez, c'est parti, on va y aller. Burden of the Shadowlands. Shadow King. On va juste arrêter là pour continuer à avoir le bonus de heal, puis on ira à la forteresse au prochain tour. L'ancienne cité, éclat de lune. C'est bien, c'est parce qu'on est en paix avec eux, du coup on peut faire ça, ça. Plaine des chiens, d'accord, on s'en fout un peu des morts-vivants, on fait juste les pics de fer, Syldra, l'antique cité, éclat de lune qui va être des bastions Skaven. On va là, Ziggurat de l'eau, machin, ils seront bolossés à un moment donné, mais faut pas inquiéter, on défera ça et ça, ok. Après on sera avec les hommes lézards tout à l'ouest, qui sont nos amis pour la vie. Donc on passe trop aussi là. À l'Ariel, seigneur marchand, production, attaque éclair, oui, peut devenir une. Un peu d'ordre public pour la madame. Maître du savoir, meilleure valeur des âges. Boys are back in town. C'est un peu ça, hein. On reprend où on était au premier tour, on avait abandonné assez vite. Bonjour Tom Arch, bonjour des Swing. Welcome. Très bien. Donc à l'Ariel, pas besoin. Hôtel de Ken, il est full défendu. Ok. Ah. Thor en citadelle, c'est intéressant pour l'argent. Bonjour Jax. D'ailleurs, attends, on va juste retarder un truc. Pardon. Priorité, c'est ça. La forteresse. Voilà. On sécurise, on prend la croissance. On crée ça. Et on redescend au sud. On va devoir avoir quelques tours de création de bâtiments avant de pouvoir descendre sereinement à cause toujours de ce même problème d'ordre. D'ordre tout court en fait. Je sais pas, d'ordre quelconque, d'ordre tout court. Ouais. Alors tiens, si on regardait un petit peu 1, 2, 3, 4 Elyrion. Tu vas mourir Elyrion, si t'apprendras à faire le nain. Tête de Schwanz va. Lord of Bretonia. What vile. Ok. Do you know who I am? Valiant Lord. Bow before the rightful Lord. Ok. Champion of the League. I am King Leoncore and wise. Alors. The nation calls. I will hear what you have to say. Not in my name. Ça monte encore, ça monte à 9, ouais. Après, c'est quoi les bonus? Grande puissance, traité, récent, traité, affinité, très bien.
Presenorska, roi des tombes. Peut-être pas faire de deal avec eux non plus. On va arrêter de pousser mais dans les orties. Fidèle de Naga, ils sont qu'une ville en plus. Très bien. Allez, un petit peu d'influence pour l'ami du Rectorland qui est par là. En amélioration. Petit coup, Carlito. Allez, un deuxième petit coup. C'est important d'avoir des bonnes relations avec la première puissance mondiale, hein, sachez-le. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Ok, bah cette campagne se passe délicieusement par rapport à mes précédentes campagnes en très difficile. Tandis que notre monsieur va toujours essayer d'aller assassiner pour 10 000 gold le héros de Nagaron. Nagaron qui sera notre grosse conquête. Guerre déclarée, guerre déclarée. Nagaron qui sera notre grosse conquête. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'il est du coup maintenant? Notre monsieur a 10 000 gold au même endroit. Bon bah c'est toujours au même endroit, tant mieux. Alors... ok, pas le choix. Et du coup, on va pouvoir améliorer également ici. Des petits points pour Ghislaine. Valeur de Zage, stimule la croissance, endommagé, sortilège, résistance au projectile, résistance au projectile. Et pareil pour Micheline. Et let's go. Bien. Les exiler, rectifier, répandre la peste. Ouais, on s'en fout de la peste. Pas fun d'attaquer chez nous. En fait, pouvoir refaire un deal avec l'Empire au prochain tour. Crasse, Cotique. Grande incantation du Xar, pas de problème. Ah, plus 10 de relations. Alors, du coup, est-ce que maintenant ça marchait avec. Antonio du Reckland. What? Greetings from Sigma. Affirmative. Ah là, merci. Donc c'est bon, on a des deals avec tout le monde au Reckland. Ouais, c'est des forces du bien, donc on peut. Tant pis pour vos gueules, Salna. Alors, Alitanar, un tour. On peut attendre un tour. Could be ok. Il faut une place en plus. Toi bien, 4. Thor, c'est bon. Et la tour blanche, parfait. Tu es un elfe aujourd'hui? Mais tout à fait, je suis Raphaël Lyon le premier. Je remplace Beth Marmot, le vilain que vous trouvez habituellement sur cette chaîne. Fool's request. D'avoir une petite visu sur le nord-ouest de la map d'ailleurs, que je ne connais pas. En dehors de ça. Très bien. On s'y approche. On s'y approche. Hop là. On va aller à Lit. Alors on va aller à l'antique cité donc.
the Shadowlands. D'ailleurs, le clan Rictus nous a déclaré la guerre, mais le clan Rictus. Qu'est-ce qu'ils disent le clan Rictus? Je vais pas regarder au niveau force, on est 41ème. Ils sont où les Skaven là? Dans 43ème, 85ème six colonies par contre. Ok. Et on va continuer également par une place. Hop là, pour tranquilliser ça. Ça baisse la corruption, ça augmente l'intégrité. Parfait. Plus grosse muraille. Ah, t'en finis, vous lui mettez. Oh là. Ah oui. Peut-être mieux à faire en vrai. Peut-être mieux à faire avec des murailles là. Ensuite, la crasse. Calédor. Ok, personne n'est chaud pour confédérer pour l'instant. Peut-être, j'imagine, à part lui. Même pas. Ok. Très bien. Hier, maintenant, ça fait plusieurs heures que personne n'a donné son obol à ce stream. Sachez que je suis profondément vexé. Et ne reviendra donc plus jamais ici pour un tel public de maintenant. Ça me choque. Honteux. Déçu. Donc. Anarguet détruit, très bien. Faction. On va s'occuper du sud. Merci, Nervalok. Merci beaucoup. Quelqu'un de bien. Merci, monsieur Vlad Tepes également, pour Gaming Prime. Comme quoi, tous les humains ne sont pas perdus. Il y a peut-être encore un espoir pour vous. Come, Shadow Warriors. Make camp. Ok, on fait le capon pour aller à la cité. Cité, c'est forcément un truc, Skaven. Ça fait 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3 villes là. 4, 5, 6 ici. J'imagine que si on check, c'est ce qu'ils ont, 6 villes. Voilà, je les ai ratés. Ils sont un peu trop nombreux. Tiens, on en profite. Est-ce qu'on ferait pas un petit accord commercial? C'est militaire alors. Prochain tour. 6 villes, ça sent les a. Très bien, du coup, on va pouvoir encore une fois dépenser notre argent restant histoire de booster les villes. Puis après, à l'Ariel pourra retourner faire son office. Ok, plus de croissance. Pour le surpopulation, très bien. On fera les revenus plus tard. Ah. Pretty qu'on doit tuer pour 10 000 gold, je crois bien en plus. J'aurais été fort Marie s'il avait été vaincu précédemment. Allez. The greatest artist from the shadows. Voilà. Nous allons tuer. Hop, récupérer ainsi les 10 000 gold et les 56 d'influence. Mine de rien, c'est loin d'être quelconque. Nous condamnons à moins 9 sans surprise. On s'en doutait. Faire un mur. I am ready. Ready. Fear us. Allez, ici il y a forcément des Skaven. Ah,
Twilight is here. Ok. Un, deux, trois, Exarian, ceci, ceci. Ça, c'est plus nos problèmes après. Donc l'Empire, est-ce qu'ils seront chauds maintenant pour un petit deal? 1, 2, 3, 4, Elyrion, c'est foutu. 5, 6, 7, 8. Jokot Tansul! Fupsul Sarai Kasega! Bon. Now, be at peace, for that is all I ever want. Absolutely not. J'aimerais avoir dit trucs commerciaux, désaccords commerciaux. Donc, j'en ai actuellement 1, 2, 3, 4. L'Empire, ça monte. Ici, Lyonnais et couronne. You tread upon Bretonian land. I will not. No. Donc on va booster Lyonnais couronne. Protector, the laws of chivalry demand. Lyonnais couronne, chevalier de la flamme. Très bien. Donc intrigue, Lyonnais. Lyonnais, Lyonnais, Lyonnais. Chevalier de la flamme. C'est l'avantage, c'est que c'est pas par ordre alphabétique. Hein. Chevalier de la flamme là. Et enfin Lyonnais. Là. Très bien. On augmente tous ces problèmes. Moratis fait désinguer par Deskaven. Moratis fait désinguer par moi-même. Elle m'envahit. Je vais expliquer la vie. Donc corruption ça a baissé, les bâtiments ça a baissé. Okay. La guerre déclarée, très bien. On va attendre pas le tour là, le prochain pour essayer de refaire des échanges commerciaux. Avant tout, ce qui me paraît important. Alors. Embuscade. Très bien, embuscade ici même, on s'en fout. Non, c'est pas dérangeant parce qu'on peut pouvoir le bolosser. On sait sur notre chemin. Ah, c'est vrai qu'il y a une grosse corruption pour l'instant. Vampirique, chaotique, donc on va peut-être pouvoir attendre. Pas beaucoup d'intégrité pour nous. Moins 8, ça augmente, ça baisse, très bien. 14 000, on va pouvoir commencer à finir de pomper d'up nos bâtiments, c'est bien. Tellement cher les Welf, on va pas se mentir, c'est hors de prix. Hors de prix. Et des murs, très bien. Après comme on dit, hein, c'est cher mais c'est, on paye la qualité. Ça marche toujours comme ça. C'est chaud, on paie la qualité. Donc, prochain tour, nous pourrons peut-être enfin faire nos alliances commerciales. Kaedor Kras. Faction des trucs tombe bête, pas d'étonnant. Quoi? T'es con? Mec, c'est mon langage un peu ordurier, mais. You have the stench of Drukia. T'es con aussi.
4. On va voir si ça va augmenter chez les autres. Lord of the lady grants you safe. Toujours pas. 5. King Luan Leon, you come to Britannia foolhardy. 6. Toujours pas. Honor before glory. These lands are ours. Oh là là, les mecs quoi. Ready. Greetings from Sigma. We cannot. Toujours pas, on va y arriver. Noble born. Attend. Truc sexy. Après on va là, c'est dans la même direction. When Loic dances, so shall I. A foolish request. Ok. Ah, c'est quoi? Revenu. What? Catacombe incroyable. Revenu croissant, c'est ouf ces catacombes. Je vais faire une place comme partout, mais ces catacombes sont incroyables. Je ne les connaissais pas. Pourtant, elles ne me choquent ni ne me déçoivent pas, ces catacombes. C'est combien? 3006. Très bien, c'est noté. Bonjour Arkham. Bien le bonjour. Bonjour peuple non elfique. Bienvenue sur le stream avant tout. Ok, c'est bon, on n'est plus en guerre. Le stream avant tout... la plus belle race, de la plus grande, de la plus forte, de la plus intelligente, qui maîtrise mieux la magie. Si vous pensiez voir un nain ici, vous pouvez partir. Hein. Allez vous rouler avec les cochons et les nains dans la bière et la fange. Oh, qu'est-ce qu'on s'en peut s'énerver. Quoi, c'est déjà tout le monde. Alors, ils veulent toujours pas, les bros. Do you know who I am? Welcome to fair Britannia. I accept. Fine. Parfait. I am the. Let the supplicant come forward. Il advise. Peut-être un des deux. This toujours pas. Unwise. Il est presque. Hein. These lands are pas. Carlito, toujours pas. On monte encore, ça s'augmente encore, pas de soucis. Alors, du coup, maintenant en plus, on est en sentier des ombres. Loic forbids us. What? The time is not right. Not ever. There's prey. Okay. Corruption is right. Donc il y a de moins en moins de problèmes, parfait. De moins en moins de corruption. Il nous reste quoi à faire? Des murs, je crois. 3500. Deux murs par là également. Et ben voilà. On est bien dans tout ça. Augmentons le commerce. Augmentons l'entraînement. Et on est bien. Guerre déclarée, Ok. Alors claquer des points d'intrigue hein, pour devenir des bros à nouveau avec les autres. Approach me if you must. I make no promises. Il me déclare la guerre si vous voulez. Plus de crocs d'hiver, très bien. Donc.
my mouth. Burden of the Shadowlands. Merci Arkham pour le deuxième mois. Et Gaming Prime, l'Empire Elfique vous remercie de cet obol dûment mérité. Madness. No. Ok. Des plus gros murs. Servant of Light. On va pouvoir commencer à récupérer quelques unités. Avec Alariel, il est temps de partir en guerre. Un peu d'entraînement pour rendre tout le monde plus fort. Et on a. Le thème appartient à je ne sais qui. Des compatriotes. Des compatriotes. Code vampire qui me dé. Ah, traité de paix. Non. Non, non. Ça arrange tout le monde que nous ne soyons pas en paix. Moi le premier. Ça va combien de personnes? Nous sommes bientôt au chaos peut-être. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Enfin, je vois, mais. Comme si je ne voyais pas. Approach me if you must. Que vous avez vu, bande de paysans. La guerre également. Vous voulez la guerre, vous allez la voir. Aucun problème. C'est pas vous qui allez me faire peur. Avec vos chiens. Ok. Donc. 1, 2, 3, 4, toujours bien. Se faire là. Ok, 4 toujours. 5, 6. Champion of the league. Do you wish the lady's favor? I think not. Ok, toujours pas. 6. Valiant lord. These lands are ours. 6, toujours. On est redescendu à 6, on n'était pas beaucoup plus haut tout à l'heure, il y a dû y avoir des morts. Who calls, sir? Greetings. We may not be the Empire. I'll ignore that. The Empire. Be at peace, for that is all. Disagree with that. Bon. Hatorodans, Carson no uncanny. Chaplato. Peace! Bon, c'est pas grave, on va pas le faire à l'infini. Alors. We begin. Fort Nagaroth is a dangerous place for unwelcome guests. Not one Druki on Nagaroth. From the shadows, oh. Time for battle. Il s'est enfui, j'ai pas vu. Quel lâche. J'ai vu que j'arrivais, il s'est enfui. M'étonne tellement pas. On y retournera, plus un d'ordre public, très bien, si on a moins 4, on est encore large. On est encore ultra large et on va pouvoir continuer notre deuxième armée. Avec Madame Garde Argentée, on a des phénix, on a des phénix quand même. Ok, 14. Donc on va rester là-dessus pour l'instant. On dépensera des sous plus tard. Et voulons la technologie. Discipline de fer, point de compétence. C'est vrai qu'on était renégat maintenant. Puissance contre les elfes. Et plus de défense en mêlée, puissance contre les elfes. Gislaine. Sortilège. Hop. Et sortilège également. Parfait. Et des points pour constituer les troupes pour notre noble. Bonne idée. Yours is a short span. So... Un pack de non-agression? Pourquoi pas? Tu veux déjà cette guerre comme ça? Hmm.
Les filles qu'on prend une compagne par race aux elfes. Non, juste avec les elfes. J'en ferai une avec les elfes noirs par. Parce que j'ai eu envie de débloquer le haut fait, de voir quand même ça à quoi ça ressemble. Les elfes sylvains m'ont dit rework. Mais. C'était juste une pour les elfes. Guerre, guerre. Joue Aldrokos. Shadowlands. There is only vengeance. Fight them. Time for blood. Now we strike. We stalk. Never. Moving unseen. Voilà, on est chez moi, du coup il n'y a pas de souci. Ok. Assyrian guides our hand. Greetings. Mm-hmm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut apprendre des dragons pour finir. Ok, c'est bien tout ça. Comment se passe cette campagne? Bah évidemment bien, vu qu'on joue la faction la plus forte du jeu, avec laquelle c'est le plus facile, avec le gameplay le plus évident, tout se passe parfaitement bien, sans aucun souci. Marche-monde, ok. Ça dévalise Arnheim, très bien. Je crois que c'était réglé le problème. A step too far, Shadowstalker. Ready. You know nothing. Burden of the Shadowlands. Nagareth vengeance. Never. Très bien, on aura géré cette armée sans coup faire rire. On est tout bon partout en plus, très bien. Et donc là, dans 3 tours. Ben d'un côté, dans 3 tours, elle est au top. Peut-être même sans jeter sur un petit phoenix de plus. Ça, 18, 2 dragons, et on pourra aller nous battre. Ok, l'adversaire ne l'est pas compris. Donc 1, 2, 3, 4, toujours. 5, 6, couronne. By the light of the I am King Leoncore. So naive. Protector of the realm. Ouais. Raiders. Mort. Is it time? Greetings from Sigma. I'll ignore that. Décidément, ça s'améliore, mais il refuse de faire quoi que ce soit. Honteux. Come in peace. Ah, perhaps que désirent ces exilés. Un accès militaire. Pourquoi pas? Battez-vous si vous le désirez, ce n'est pas mes problèmes. Ah, plutôt que l'emboulder. Pas mal, pas mal. Bastion désolé, là c'est Nagareth, mais c'est moi ça. Du coup, Bastion désolé avec l'Ariel, c'est bien, ça ferait une armée au nord, une armée au sud. Okay. Ça n'est pas étonnant, je vais l'acheter avant tout. Ils vont vouloir défendre là, quelle erreur. Quelle erreur, quelle lâcheté et quelle erreur. Bien plus dur l'heure. Et bien fait de faire des murs moins 6, pourquoi? À cause des raids. Raids qui vont disparaître.
not one Druki on Nagareth. No mercy. Ah, je crois qu'ils n'ont pas compris pourquoi la question allait être vite répondue. Ils ont deux balistes, mais c'est tout. Your king calls. En avant. It's war. Su, sale l'ennemi. Pendant ce temps de chargement, nous allons massacrer cette chiant lit elfique. Encore une fois, hein, on se note que depuis le début, on ne se bat que contre des elfes noirs. Pourquoi? C'est les seuls qui acceptent, qui valent le coup d'être combattus. Handmaiden of the Everqueen. Shadow Dancer. Alifa Nar. For the Shadowlands. Striking forth. For order. Defending order. Loyal. Move. Orders received. Setting forth. For the Everqueen. Arior. Destroy. Lafayne. My power is yours. L'idée est bien d'Ivanos, c'est de focus un maximum les balistes dans un premier temps, qui sont la seule armée un peu dangereuse. Onward. Advance. We advance. Pour moi. Alifa Nar. Handmaiden. I am ready. Quickly now. We will obey. We advance. La preuve, ils ont tellement peur qu'ils n'avancent plus, qu'ils ne font plus rien. Spearmen. Quelle bande de lâches. Regardez à quel point ils se laissent tuer. À quel point les équipages des balistes se font canarder. Ça y est, seulement maintenant ils ont compris. Loyal servant. Orders received. Son of Ulthwun. Awaiting orders. Taming the winds. Ready. It will be done. Ancestors for Lothurn. Weapons ready. Noble. Warden of Shadow. Advance. Loyal. Yes. Without fail. Lakoi. To battle. Allez. Devoted servant. Tout va très bien se passer. Aucune crainte. Spearmen. Arthur. Attack. For order. Understood. At once! Curse all Druki! Seal! Orders understood! Acknowledged! Acknowledged! Il fuit déjà les lâches, c'était sûr. Spearman. As you say! As you say! En même temps, tu combats des Skaven ou des elfes noirs, ils font la même couleur et fuient aussi vite, tu vois pas la différence. Wielder of the winds! Crush them! It shall be done! Understood! It shall be done! Annihilate them! Regardez comme ça fuit dans tous les sens. Spearman, to the fray. Triste lame, triste sire. Mais regardez-les, regardez cette lâcheté. Et on s'étonne, on appelle ça des elfes. On appelle elfes noirs, c'est la suie qui vont quand ils vont à la mine dans leur lâcheté. Spearman, weapons ready. Ça me dégoûte des elfes comme ça. Yes, it shall be done. Making my way to war for the king. Guardian. Ce qui sera simple, c'est juste une retraite stratégique, évidemment. By Alariel. Sundered, honor bound for the king. On continue à essayer de les faire fuir. Handmaiden of Alariel. Assyrian willing. Au maximum. It shall be done. Ce qu'il vaut mieux être un nain Armagona. La modération intransigeante ne laissera pas passer une telle offense au peuple elfique. Understood. Spearman.
Très bien. On détruit là, on détruit là. Vas-tu remplacer les rôdeurs par les elfes, les sœurs d'Alvelor? Certainement quand j'aurai le temps et l'argent. Bonjour mon cher Daedalus Corpé. Bonjour mon cher Duriel. Où est donc passé Bess Marmotte? Mais écoute, mon cher Duriel, Bess Marmotte est parti. Aujourd'hui on a mis au rebut hein, tout que, avec tous ces alcooliques de nains qui se roulent dans la bière et dans le stupre. Aujourd'hui nous sommes la simplicité, la grandeur d'âme, l'éloquence, la classe. Bref, nous sommes des elfes. Mais paraît-il que je reviendrai demain pour jouer un jeu qui convient bien à un jeu où on va dans la terre, Hollow Knight, un jeu correct des insectes. Merci encore à Grodonut de faire respecter Lady du prince et de time out tous ces félons. Non, les hommes blizzards, je finirai un autre jour. Je finirai quand je ferai du Total War. Je sature un petit peu la campagne hommes blizzards, donc on va attendre un petit peu pour les finir. Comme pour les Zoelf, ils seront finis peut-être un peu le week-end prochain. Ah, c'est bien ce que je me disais, il fuit. Qui se bat encore donc pour leur armée? C'est un maximum de ne pas perdre le régiment de cette fin de partie. C'est raté, on vient d'en perdre une. Dommage. Ok. Bref, t'as des gens qui fuient. Essayez de le lancer, c'est moins grave. Alors. Bonjour Phosgène. Est-ce que Raphaël aura le temps de faire une vidéo de présentation? Non, mais je ne veux pas faire des vidéos. Je ne penserai pas à ça non plus. Travail d'humain de faire des vidéos. Travail d'humain. Voilà. Il fuit, j'en étais sûr. Ah, par contre, on a perdu quelques troupes. C'est une ville, donc c'est pas grave. On a eu l'armée. C'était le principal. On a sur la photo, on n'a rien perdu. On verra ce qu'il y a en vrai. Un petit travail des sœurs d'Avalorn évidemment. Hein. Si Nora, que tu peux bien entendu poser toute question tant qu'elle n'inclut pas une référence comme quoi la race nédique est meilleure que la race elfique. Il manque encore des phénix et des dragons dans l'armée. On a encore les gardes qui sont du début. On a perdu quelle unité? Une sœur, un garde. Ok. Take it. For the line of a leaf Alors, on va
devoir aller là-dessus, là-dessus en priorité pour finir la zone avant de foncer dans le cœur des héros et des gardes maritimes en attendant. En fait, j'ai juste acheté le jeu, j'adore les Total War, mais j'ai pu jouer depuis Rome 2, Warhammer a l'air super compliqué. Il est pas plus compliqué que les autres. La différence, c'est qu'il y a beaucoup d'unités. Alors après, si tu veux, je fais un petit guide sur YouTube, ça me fait un peu de real talk. Un petit guide sur YouTube pour essayer de justement aider pour te redonner les éléments, ça dure pas très longtemps. Et sinon, t'as les tutos de MAF, si tu veux un truc un peu plus pointu. T'as les tutos de MAF Gaming en français, qui sont les meilleurs de ce qui se fait en francophonie, qui sont très bons et très complets, qui devraient donner beaucoup d'indications, qui devraient te permettre de voir si tu trouves ça trop compliqué ou pas. Très bien, deux tours et on pourra aller chercher des dragons. Je suis désolé, petit poteau. J'ai vu ton message. Ça ne passera pas. Ok. Et du coup, on va aller sur Syldranor et le pic de fer au prochain tour qui ne sont pas défendus en plus. Parfait. Bon, on est bien dans tout ça. On a notre ville, on a de l'argent. C'est tout, on pourrait faire des choses. On fait une fin de tour. Parfait. Ça rappelle une partie du Seigneur des Anneaux. On jouait thématique et le joueur elf ne voulait pas perdre une petite unité pour sauver un héros humain. Voilà, tout à fait d'accord avec ça, mon cher Fogen. Guerre déclarée, tilet, guerre déclarée, vipère bleue. Faites l'amour à coups de baliste, pas la guerre. My realm. Time for blood. Très bien. Moins 21 évidemment. Car corruption, car instabilité, car mon aératrain sur la commode, croissance, revenu, quelque chose qui baisse la corruption, l'intégrité peut-être, pas pour l'instant, donc on va augmenter nos revenus. Si nous ne sommes plus qu'à moins 3, la corruption baisse, l'intégrité monte. Plus qu'à level up, Arnhem, ce sera très bien. L'enclume, Hall. Il reste deux villes là, Hall le matriarche, d'accord. On va vraiment bien remonter vers le nord. On peut également améliorer le Val de Gaine pour qu'il monte niveau 5. Oui. Ben c'est un grand oui. C'est des points de compétence. Donc, pour Alariel, justement, est-ce qu'on lui donne son coursier elfique? Est-ce qu'elle mérite son coursier? Oui, mais plus tard. On va augmenter les seigneurs marchands. Et alors, pour aller chercher ses dragons et aller faire la guerre également à prochain tour. Non, ça confédère Xocoatl, défenseur du grand dessin. Ça déclare la guerre un petit peu partout. Guerre déclarée, pas de problème. J'aime quand tout se déroule sans accroc comme actuellement. Il te manque quoi comme condition de victoire? Il m'en manque énormément de conditions de victoire. Pardon, si on fait les objectifs en victoire courte, il me manque contrôler soit le mont de fer, soit le pic des titans,
soit la route des crânes, soit le marais du destin. Il faut que je détruise également le bastion désolé. Il faut que je contrôle 8 colonies parmi ici, donc j'en ai 2 pour l'instant. Je construise également la citadelle noire dans l'Ec et que j'ai 2 dragons lunaires. Citadelle noire dans l'Ec qui j'imagine se construit ici même. Ah non, où est-ce que se construit la citadelle noire dans l'Ec? Tiens, je ne sais pas. Peut-être tout simplement en l'Ec. Peut-être un maxi bâtiment que je ne... Ah bah, que se construit ici même, pardon, à Thor-en-Lek, évidemment. Évidemment qu'il se construit à Thor-en-Lek et que nous sommes en train de s'occuper de ce petit petit détail, point, ce que vous voulez. Donc Alariel, qui est radieuse, va pouvoir se diriger immédiatement vers, justement, Thor-en-Lek. Shadow Warriors. Now we strike. Time for... Très bien. Nous allons occuper la ville. Pas besoin de rajouter des problématiques aux problématiques. Nous avons de la poterie, des vignerons intéressants pour le festival mensuel. Ce sera plus tard. Et le pic de fer au prochain tour pour avoir la région à nous tout seul. Augmenter, gagner de l'influence, c'est très bien. Parlons de l'influence, on va regarder ce que ça nous donne juste là. C'est un petit moment qu'on n'a pas de check. Ici, nous avons... Oh, c'est vrai qu'elle a... Alors, soit diplomate de la Reine Éternelle, soit lieutenant de la Reine Éternelle. Portée, ranger. Très bien. J'étais à mon influence, moi. Tout content. Illyrion toujours énervé. Ah oui, Illyrion n'a plus rien, en fait. Illyrion a juste ça. Illyrion est mort, en fait. Ok, très bien, c'est noté. Katla, quand ça soit sa couronne. Pourquoi le même pas couronne, d'ailleurs. Let us hope you leave us so naive. On va essayer de booster couronne à Donf. 5-6. C'est à toi, Joker. On va surtout bosser Exvacoatl en premier, Rekland. Greetings from Sigma. Agreed. Merci. Ok, donc, nous qui en voulons 10. On en a actuellement, c'est un ouf en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. Et un 7, donc si on en veut plus, on en veut avec Exvacoatl et Takla. On a déjà beaucoup boosté Exvacoatl. Où est-ce qu'ils sont, Exvacoatl? Très bien. Essayez de continuer avec couronne, hein. Couronne. En plus, ça bouge en fonction des populations qui restent. Donc, je suis là, c'était un endroit. Je l'ai plus. Couronne. Merci beaucoup. Très bien. Donc, tout ça, c'est bon. Caron, ça existait. Ok, face à notre Utosland, c'est la vie.
faction détruite Illyrian. En même temps, ça devait arriver, hein. Vouloir faire les fous tout le long. Clan Kroon aussi, ça devait arriver. Merci, Conjugator Imperatores, pour le sub offert à Belgar. Merci beaucoup, cher admirateur de la race elfique aujourd'hui. Mais je sais qu'au fond de vous, vous rongez votre frein. Et nous allons. Dans la croissance dans un premier temps. Ici, nous avons aussi. Donc, du coup, nous sommes obligés de faire en premier lieu des places. Sachant que nous sommes à moins 10, conquête et tout machin. Ok. Demain, j'entends à faire un tir, mais toute bonne chance. Pourquoi y a-t-il plus de partenaires elfiques quand je suis à la caméra? C'est parce que, bien entendu, le monde entier se rend compte à quel point je suis au-dessus. La race elfique est au-dessus et c'est normal. Je veux dire, quand on voit un elfe comme moi, quand on voit, je veux dire, tant de prestance, tant de classe, c'est normal qu'on ait envie de prendre son argent et de me le donner. Je veux dire, c'est un sentiment absolument normal. Il faut pas réfréner sa passion, faut pas réfréner ses envies comme ça. C'est ceux qui ne comprennent pas ça. Je les plains, les pauvres, de ne pas avoir une vie agréable. On va pouvoir prendre deux dragons. Et deux dragons lunaires. Ok. Ok, donc... sont dissous. Par contre, on va devoir claquer de l'argent en masse. Est-ce qu'ils sont forts, les maîtres épéistes? En armure, perce armure, anti-infanterie, tir dévié. Me plaisent beaucoup. Peut-être du coup enlever un garde comme ça. Ok. Petit à petit, on va pouvoir booster l'armée. Not one Druki on Nagareth. There is only vengeance. C'est impitoyable. En fait, j'imagine que ton live avec ton pote pâtissier a compris le problème. Bon, en fait, j'attends que j'ai. En fait, avant Covid, j'ai demandé à quelqu'un qui devait venir de Paris pour en fait me. Maman Real Talk. J'ai demandé à quelqu'un de Paris de venir sur Metz pour m'aider notamment pour m'acheter tout le setup pour pouvoir faire des. Avoir le matos et le bon truc pour refaire un peu le studio. Pour avoir trois écrans, un meilleur truc, une meilleure cam. Que ce soit ça pour avoir en plus un setup IRL, pour avoir un setup pour la cuisine. Mais j'avoue qu'avec le confinement, c'est un peu tombé à l'eau. Mais bon, je vais le relancer, au moins qu'il me file tout ce que je dois acheter pour le au moment du Black Friday. Faction détruite Skegis, c'est bien. Bah, je suis désolé, c'est en train de se rouler dessus, parfait. Des nains qui attaquent la couronne. Quelle honte. On peur de rien. Ok, donc on a moins de corruption. On remonte petit à petit. Moins d'instabilité provinciale. Ça remonte petit à petit.
On a un slot, du coup ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 3 dragons j'imagine. Alors, encore deux tours ici. On commence à avoir une vraie armée. Alors, est-ce que ça a porté des fruits? 4. Toujours 5 ici. 6. Ah. 7. Ok, on n'est pas encore à l'accord commercial, mais ça s'améliore. On a combien d'accords commerciaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 7 et un 8. Il m'en faut encore 2. Il me faut Tlakla et Couronne. I'm happy to fulfill your death wish. Ça me faut la clé et couronne. Ok. Guerre déclarée. Oh, Von Karchen et Sylvanie vont prendre la fureur impériale que je connais bien pour leur prise à de nombreuses reprises. Très dur, très compliqué. Tribu de la tour infernale. Quelle est cette infamie? Est-ce qu'on a de nouvelles cibles bientôt? Pourquoi pas? Bonsoir Dominium Twitch. Prochain tour, nous avons de nouvelles cibles. C'est intéressant. I see the winds. Alors 7. De l'Ariel, prochain tour. Après, on a au moins 2 là, faut quand même qu'on fasse ça à ça. Donc, la lune a plus 17, ça peut être infini. Et des murs. Petit peu d'entraînement également pour tout le monde. Et on sera bien au prochain tour à l'Ariel la radieuse à pouvoir déchaîner la juste paix sur l'adversité. Parfait. Très bien. Guerre déclarée, alliance militaire, guerre déclarée. Ah, des nouvelles cibles. Qui avons-nous? La flotte de la terreur, Gérard le jongleur et Félicion. Intéressant. Alors, qui rapporte le plus d'argent? Et évidemment, l'elfe noir.
Merci petit poteau. Ça me fait plaisir que vous ayez compris. Allez. C'est parti. Donc il faut commencer dès maintenant le recrutement. 463 machin. Le dragon solaire. Et ça y est, c'est parti. Le clan Rictus. Décidément. Alariel, Everqueen. Si on allait s'occuper de ce traître, la queue qui frétigue et cette terrible vengeance. Queen of Avalon. Nous ne le laisserons pas faire. Meilleure relation diplomatique avec tout le monde. Meilleure relation diplomatique avec tout le monde. Entraînement. Ça va au sud. Typical Skaven Lash. Très bien, Kaledor et compagnie. Gothique. Chaque fois que j'ai l'impression que c'est le symbole de la sainte confrérie de Twitch quand je vois le symbole de ces orques infâmes. Très bien. Nous ne laisserons pas faire, clan Rictus, nous ne nous laisserons pas faire. Donc, quatre tours, allez. By Anar's bidding. Les nouvelles recherches. Réseau d'espionnage unifié. Peut-être faire des réserves de marbre, profitons-en. Point de compétence, on vole, on supprime. Un souffle. Hop, alors maintenant que nous avons moins de. Plus de bonheur avec tout le monde. Est-ce que ça se passe mieux pour avec les chevaliers? Ah. Pourquoi pas? Pas encore, mais presque. King Luwin, let the supplicant come encore. The Empire, deliver your message. Absolutely not. Il rejette tout. Les innocents. Deliver your message. Ils n'ont pas d'accords commerciaux. Les innocents à nouveau. Et j'ai raté les hommes lézards. Non, je ne les ai pas ratés. Ils ne peuvent plus. Très bien. Donc, nous sommes exactement à 4, 5, 6. 7, 8, 9. Il nous faut juste couronne qui accepte. Il faut juste couronne qui accepte de faire un accord commercial avec nous. Do you wish the lady's favor? Dommage, pas encore. On monte, ça s'améliore. On peut espérer plus tard qu'il l'accepte. D'ailleurs, on va directement intriguer auprès de nos amis couronniens. Pour améliorer nos relations entre nous. Donc ça combat, une fin de tour. Avec
C'est un truc d'hyper bleu. Alors, très bien, ce continue à combattre, il continue à mourir. C'est leur rôle de mourir. Paix négociée, Midenland. Allez. Est-ce que ça marchait pour couronne cette fois-ci ? Do you wish the lady's favor? Most prudent. Clever. Je vérifie juste si c'est bien bon. 4. Après c'est bon, j'ai plus besoin. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Allô, faites c'est mort. Pardon. Excusez-moi. Mistress of the Undying Forest. Ah, oh. Qu'est-ce que cette force déjà? Pensez avoir le temps de gagner aujourd'hui? Je ne pense pas. Le temps. Le temps me fera des défauts, mais j'espère gagner la semaine prochaine, sans doute. Voilà. Ouais, parce qu'il est lui encore. Ok. Très bien, 4 tours c'est suffisant. Bonsoir, qu'elle ne mette. Plus 24, ici moins 1. Que ça va être hoc. Ça va être hoc parce que ça va monter là. Ok, pour y aller. Faire plus elf, tu aurais dû raser la barbe, mais il n'y a pas assez de supporters elfiques pour que vous méritiez que je me rase la barbe. Donc, pas d'alliance défensive, n'abusons pas. Très cher, voyons. Ne devenez pas désagréable avec le temps. Merci beaucoup, mon cher Woodpecker, pour les 5 drachmes offerts à la cause elfique. Merci bien, je bois rien. Pichez à votre santé ce soir. Merci monsieur Pecker. Quelle musique parlez-vous? Je n'ai rien entendu. Peut-être entendez-vous des voix. C'est pas étonnant, un peu de folie chez les humains, c'est fréquent. Vous entendez des voix, vous pouvez entendre des voix, je comprends. Je vous comprendrai. Alors. Très bien. Ils sont pas encore niveau 5 ici. Voilà, nous voulions augmenter ici les défenses, ici le port. Recherche disponible, le supplémentaire, on dirait des herbes de marbre. Pas des armes lourdes.
Niveau roi fantôme, tiens. Allez. Et beaucoup de pouvoir à prendre au-dessus. Pour Mélanar, notre minoble. Qui aura un coursier, pas maintenant, un maître d'armes. Maître d'armes, c'est très bien. Même parfois les humains ont des hallucinations en voyant des elfes, les prennent pour Dieu. Alors ce ne sont pas des hallucinations, hein, c'est normal. C'est normal. Guerre déclarée partout, très bien. Alors où sont notre ami Skaven ? Mathlan, I seek your protection. Merci beaucoup, Woodpecker, pour l'abonnement offert à Marmotte. 52, merci beaucoup à toi. No escape plan. Nous sommes au Val de Gala. Il nous faut combien ? Un petit peu d'argent ici, on les a pas encore. Un petit peu de boost là. Peut-être c'est une question de qualifier après. Oh, c'est intéressant, c'est de voir une technologie en plus salée. Et on prendra 16 500 pour la cour de la reine éternelle. C'est pas étonnant, c'est pour une reine. Très bien. Deux tours et nous pourrons partir à la guerre. Corps économique, du coup, personnalité, ce n'est plus grave. C'est plus grave devant Talédis. L'objectif était accompli. Comme nous avons quand même regardé, nous en sommes pour ses objectifs à accomplir. Que direz-vous, cher ami ? Un pacte de non-agression, bien entendu, entre elfes, je veux dire, même pour des cousins de la campagne, un peu bébête, on peut faire ça. Alors, en courte, il nous faut, donc ça c'est ok, il nous manque les bastions désolés à détruire. On lance une 7 quintex, 1, 2, 3. Après, il nous faut plus de relations, j'imagine. Ah, si on a le terme 2, 3. Front de Nagaron, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, après faudra faire des liens d'amour. Et en parlant de liens d'ailleurs avec des amis, pourquoi pas si on parlait de liens avec des amis de couronne par exemple. Pas encore, 31-71 s'améliore comme avec l'Empire, j'imagine que ça s'améliore avec le temps. Nagaron 22ème quand même, faudra peut-être qu'on s'en occupe. J'imagine que ça s'améliore avec le temps pour l'Empire. The Empire. Greetings from Sigma. Ouais, ça s'améliore avec le temps, parfait. C'est 3ème en force par contre, qui est la première force world? Si on les voit pas, c'est qu'ils sont cachés. Qui est le World Pro Karak Akazak. One rug. I am the High King. Doubtful.
Ok, grande puissance, aversion. Bon, on gérera ça dans un prochain temps. Ce serait dommage d'attaquer les futurs alliés. Côté. Pas de confédération, Calédor. Calédor use zut. Il rejette. Mais ils se disent pourquoi pas. D'accord, on n'est pas aussi loin qu'un accès militaire avec eux. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il n'y a plus de s'occuper de ce clan Rictus qui nous enquiquine depuis un petit moment maintenant. Et nous allons pouvoir nous rendre vers le hall de la matriarche. Par là. Une nouvelle recherche où nous avons cette fois-ci une construction de bois dur. Pour les charges, certes. Salariel qui vient de passer derrière, tout à fait. Je vois que vous avez l'œil et le bon. Très bien. Plus de problème d'une part, nous allons pouvoir finir cette guerre en temps et en heure. Von Karstein, c'est pas bien dramatique, on s'en doutait. Sentinelle, l'éveil, Middenland, marche tombe. Ça se déclare beaucoup la guerre hein, en attendant que tout soit un petit peu rasé. Beaucoup de guerres déclarées, ce n'est pas étonnant. Alors, où est ma cible d'ailleurs? Ok, Félicion est là. Allez. On continue à laver, on y reste 14 tours, on veut récupérer l'argent. Alariel. On peut foncer par là, nous pouvons remonter également ici, nous avons notre deuxième armée. La vitesse de la lumière, tant mieux. Donc l'ordre est géré ici et ici, l'ordre est géré là, l'ordre est géré partout. Nous pouvons plus avoir des ressources, bah oui. Merci Woodpecker à nouveau pour l'obol offert à la race elfique. Pour l'obol offert à Brokit Lol, merci beaucoup. Une frappe derrière. Donc on a nos deux armées, on n'a plus qu'à avancer, on récupère nos petites ressources. C'est très bien. Pour avoir 600 et nous avons exactement 630, un chiffre rond. Nous sommes à 630. Moubot est encore en retard. Invasion nénique, hein, toujours à la boue. Ça va toujours trop lentement, sans surprise. Allez. Nous avions pour remonter vers le nord assez tranquillement, je pense. Faire ton travail pour Karaz Akarak, c'est de bien s'entendre avec eux. Vu que nous serons bientôt la deuxième puissance mondiale. Ça pourrait pas déconnant. D'ailleurs. Où sont-ils?
te suffit de 12 pour améliorer nos relations avec eux. Burden of the Shadowlands. Allez, onwards. Courons. Priestess of Isha. Également ici. Le clone ne devrait pas tarder pour mourir. The Everqueen. Ok. Prendre ça au cas où on n'a rien pour les lions blancs. Une nouvelle recherche disponible. Très bien. On est bien partout, tant mieux. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'ici même, nous n'avons plus besoin de cet ordre de population, vu que nous sommes au niveau max. Nous pouvons tout bêtement imposer. Un peu plus. Société riche, on peut imposer, vrai plus. Aucun problème là-dessus, nous allons aller unifier l'oblesse locale. Unifions la noblesse locale en attendant qu'il se passe quelque chose. Alors, Albéric de Bretonie, que dire ? Une alliance militaire, bien entendu. Toujours avec mes amis humains. Aucun problème. Sentinelle, vous êtes bien battu. Quoi, tu as vraiment progressé sur le jeu? Ouais, merci, on a bien avancé. Ah, tandis que Clown Payas, complètement ivre, voilà, Clown Payas qui a abusé de la mauvaise bière naine et qui commence à time out des gens innocents comme Petit Poteau ou Joe Lafouf. Terrible. Ah, quelques points en retard, regardez, un modérateur qui abuse de la mauvaise bière nanique. Qui time out tout le monde, même des innocents. Voilà pourquoi faut pas boire de la bière, hein. Voilà ce que ça donne après. Je veux que ce monde voit en ceux qui traînent. Mais Petit Poteau n'a rien fait. Petit Poteau n'a strictement rien fait. Je la touffe à parler d'une mesquinerie nanique. C'était effectivement très mesquin comme un nain. Effectivement, elle avait raison. On fait des murs. Se dérouler. Where rats men lurk, we must retreat. Effectivement, je n'avais point vu. Je n'avais point vu, monsieur Clunpay. Je m'excuse. Je m'excuse. When shadows oh, Félicien qui est juste à côté. Ça me donne un peu d'argent gratuit. Allez, Félicion, c'est fini. Il est l'heure de mourir.
Voilà. Du coup, récupère les 9000. C'est un jour sombre. Alors. Allow me. The Phoenix Court awaits your plea with interest. Never. Ok, ils sont pas loin d'accepter, Kotick. Kotick sur les prêts. There is only vengeance. To battle. From the shadows. To me. Tranquillement, on va attendre. Lust for revenge consumes them. Madame, la reine. Allez, nous allons pied occuper ce rôle de la matriarche. Et voilà. Une nouvelle faction détruite. Ça on récupère. Hop là, ça on garde. Ça on garde, ça on garde. Très bien. Un petit peu d'argent, on va en même temps en profiter pour Oval construire la cour de la Reine Éternelle. Alors. Donc, ici c'est bon, ici c'est bon, il nous reste quoi? 1, 2. 3, 4. Ouais, mais en gros, en fait, si on fait bro avec l'Empire et Couronne, c'est gagné. Je suis choqué. Choqué, mais pas déçu. De la facilité de la victoire pour une faction que je ne connais pas en. En haut elfe. J'ai l'impression de jouer un autre jeu que ce que je joue d'habitude. J'ai l'impression que je joue un autre jeu que ce que je joue d'habitude. Genre en fait on est juste de plus en plus amis. Let the supplicant come forward. Done. This is rash. What? Be at peace, for that is encore, mais yes, it is top. Greetings. Pas encore aussi, mais en fait, là, si du coup on regarde les objectifs. Light triumphs over darkness. On n'a pas encore ajouté couronne parce qu'on n'est pas encore en truc, mais enfin, c'est. C'est assez chill quoi. C'est assez chill. Maintenant, il faut monter vers Clénière du Venin, Clarcon. Ouais, ils ont plus grand chose, hein. On arrive bientôt. Anagaron et compagnie. Il manque faire des. Il manque bien m'entendre avec des gens. Vraiment, c'est juste ça en fait. Je vais rajouter de l'intrigue à tout ça avec le Reckland, genre ça. Couronne, il n'y a même pas besoin. Mais en fait, j'ai concrètement. Juste besoin de 1, 2, 3, 4, Aldorf 5, enfin, je sais si je récupère ça et ça. 300 millions, ça fait une petite guerre quand même. Toi, Karak et ça, deux, enfin, je fais team avec les. Non, en fait, je fais team avec l'Order Tide. Je fais ami avec l'Order Tide et il n'y a aucun problème, c'est automatiquement. Automatiquement bon. Et en même pas 100 tours, je suis
choqué mais point déçu. Non. Et du coup Nagron qui attaque. Ça veut dire qu'on va un peu après, ils sont tout au nord, ultra au nord. Kotick est là, Crass est là. Ok, on va voir ce que ça donne. Cicatoire le surplus de pop. Ici on est atteint au max de pop, faut juste un peu plus d'or, donc on peut imposer. Très bien. Bonjour Serra. Tout le reste c'est nos amis en plus. Donc là on a plus 7, c'est incroyable. Ici on a plus 8, c'est incroyable. Merci Woodpecker encore. Abonne-moi à faire à l'Oxy. 44, merci pour l'obol. C'est quoi toi? T'es tribu de la corne barbelée, t'es qui? Tu fais attends toi. There's prey. Fear us! Time for battle! Your king call! On renforce tout ça. Alariel the Ever Queen. Ever onward. Raise my pavilion. Dans votre campement pour rejeuner plus. Dances, so shall I. Burden of the Shadowlands. Mais remontez au nord. Très bien, rejeune à fond la base. Plus 10 parce qu'il y a des personnages, très bien. Ah, et ben du coup nous pouvons monter la tour blanche au niveau 5. Quelle bonne nouvelle. Du coup nous pourrons avoir la tour blanche au niveau maximax. Plus de recherche, plus de tout. Un peu de discrétion. Également ici. Et on peut pas réavancer, non, on va pas réavancer. Ils sont tous morts en plus, très bien. Fin de tour. Re petit peu tôt. I may be a king of shadow, but you are a king of dark. Non, pas dans la lance défensive, débrouille-toi. Confédération avec l'Ambidon Land, parfait. Et on va te poser une question pour les déguisements. En fait, je pense que je vais essayer de faire c'est un déguisement pour les trucs en point de chaîne. Il faudra que je trouve autre chose en point de chaîne. Je crois aussi un déguisement pour l'époque. Mais je peux pas tout me déguiser en tout, tout le temps, partout. Ok, le cercle est là-haut. Attendez. Shadow King. Attack now, to me. C'est dommage, une ville Skaven. Look in its shadows. Si on l'a rasé.
Attend. We move in time. Il n'y a plus à rester grand chose au clan Rictus d'ailleurs. Ça me fait penser au clan Rictus. Deliver your terms and I sh- pendant qu'on est là. Champion of the li- Do you wish the lady's favor? You are shrewd. Couronne. So, be at peace for that. Okay, toujours pas d'alliance. What? Greetings, honorable. Clan Rictus, trois villes. Intéressant, plus grand chose. Merci Woodpecker pour l'abonnement offert à Cartana. 7G. Merci beaucoup. There was only vengeance. Donc, 1, 2, colonne, clairière pervertie, 3, d'accord. Mais ça c'est une région qu'on peut vouloir prendre, ça c'est un intérêt à la récupérer. What is broken can be remade. Donc là on est à moins 7, c'est ce que je craignais. Après l'instabilité ça part, la corruption ça partira. Ok, on va déjà monter ça. Porte du Griffon niveau 4. Ok. Niveau 20, tiens. Les sortilèges. Ah, voilà, c'est-à-dire que ça va être bon pour tout le monde. Mélénard le noble. Coursier, augmenter le TMS, augmentons le commerce. Parce que plus de commerce, plus d'argent. Pas beaucoup d'équipements trouvés. Ah, c'est reparti. You dare interrupt my eternal vengeance. Que désirez-vous, cher clan Rictus? La paix? Don't presume to stride where I. Colonne, tac tac, c'est intéressant pour leurs trois villes. Clark Caron a été récupéré, tiens. Guerre déclarée, Nagaron crasse et ça commence. La guerre commence, les amis. La grande guerre! Her light shines upon me. C'est pour de l'influence obtenue, tant mieux. Influence que nous avons immédiatement utilisée avec notre ami pour la vie. Hors de prix même pas, on peut pas. Ok. Claire Caron, Clairière, Serre de Destruction, Storag. Merci Romtar pour le deuxième mort au nain. Everqueen of Althwan. My realm. The council is disappointed. I journey. Light of Avalon. Speak. Et c'est parce que c'est un des deux alliés militaires, tu déclares la guerre entre eux, tu obligeras de rompre des alliances, oui. Loic's fury. Time for blood. Hunt. Silence. Voilà, travel. Never. Revenge. Silence. Embuscade. We'll show the Southerners how it's done. Amélioration de colonie disponible dans le sud. On va pouvoir mettre monter ça pour le festival mensuel, plus d'ordre public. Également ça ici. Bon. Eh bien écoutez, plus un ordre public toutes les provinces pour la demoiselle d'honneur. Deux fois, c'est validé et on passe. On va laisser passer ce dernier tour.
Ah, l'embuscade qui rentre. Oh là, tellement bien. Et bim, regardez l'embuscade gratuite. Alors, je te mettrai paste. Comme ça s'est bien passé, l'embuscade, ça rentre, on le déboîte. Quel plaisir. Pas même recruté. Confédération couronne. Ok. Confédération dans tous les sens. Parfait, parfait, parfait. Un accord, finalement, elles veulent bien. Allez, c'est parti. Bon, ok, c'est pendant 1000 ans d'avoir un accord. Voilà. Ça se passe bien, bien avec tout le monde, des amis de Milan. Ok, des amis de Milan partout. Let's share a glass of wine. Couronne, c'est le maxi deal. L'Empire. Toujours pas d'alliance défensive, c'est pas dramatique. Bien, et eh ben écoutez, ici on va pouvoir recruter. Puis ce qui va se passer, c'est qu'on va sauver.